Salut tout le monde, c'est Blood. On se retrouve pour Mass Effect Andromeda et donc on s'était arrêté eh bien, ici. Donc notre but, ça va être du coup d'aller par ici. Donc on va tourner à gauche et puis voilà. Il y a un chemin qui monte à gauche. Un chemin qui monte à gauche. Sérieux là? Par contre, le scan c'est vraiment chiant. On va falloir s'y faire. Hein. Vous entendez ça? Oui, des parasites, mais avec un rythme. Ouais, alors attends. Parce qu'il y a un truc qui me choque. C'est genre ici, il faut monter. Enfin, je sais pas si c'est ici, mais en tout cas, je monte. Non, c'est pas ici. Oh merde! C'est chaud de trouver elle est où la montée. Parce qu'il a dit genre il y avait une montée. Mais je trouve pas où en fait. Ouais donc non. Et là on peut pas y aller. Ok. Bah, très bien. Ça doit être par là. Même pas, là je peux pas monter. C'est trop chelou. Ah ça doit être ici. Ah c'est ici. Au secours! Restez à couvert! C'est bon. Merci d'être venu. Je tapotais mon micro en espérant que quelqu'un le remarque. Ça va? Ça va. Où sont les autres? Ils ont tué Kirkland. Mais Fisher est en vie, près de l'épave. Il s'est cassé la jambe. Il a besoin d'aide. J'y retournerai après avoir jeté un coup d'œil ici. Il y a peut-être du matériel. Ariel. Attendez-nous là-bas. Nous, on va chercher la navette de mon père. Bonne chance. J'ai hâte de faire mes adieux à ce caillou. Ok. Ah bah allons-y. On est où? Ah bah c'est tout. Je crois que du coup on peut y aller, hein. Il y a une sorte de structure sur cette colline. Les tempêtes ont ravagé cet endroit. Comme tout ce qui se trouve sur cette planète. Espérons qu'il n'y a personne à la maison. Ça ne ressemble pas franchement à une maison. Alors. Ouais, personne ne vit ici. Qu'est-ce que c'est alors? Ça ressemble pas aux autres structures qu'on a vues. La conception est différente. Ah, qui sait? Appelons ça une machine alien bizarre. Sam ne serait vraiment utile là. Ah, j'avoue. Du coup, on fait comment là? Parce que. Il me dit que c'est ici. Moi, je suis d'accord, mais. Ça marche pas. Je me demande ce qu'il y a là-dedans. Faudrait rallumer le courant, quoi. Ah, un conteneur ici. Ok, bon, je crois qu'on a tout ce qu'il faut.
Pas de courant. Qu'est-ce que vous faites, Ryder ? Et merde ! Je le sens mal. Oh. Donc, cette machine alien bizarre est un générateur. Ouais, bien sûr, je m'en serais douté. Il servait peut-être à quelque chose. Bizarre. Si c'est du poison, je saurais qui accuser. C'est des trucs cryogénisés, on dirait. C'est la même langue que ces aliens. Je me demande ce qu'ils racontent. Tuer tous les humains, à tous les coups. Merde! Ah, c'est les larmes! Bon bah tant pis. Ok, bah du coup on va pouvoir pénétrer dans la pièce qui était fermée. La porte s'est ouverte. C'est fou, hein? Avec le courant, c'est incroyable. On ouvre des portes. Un labo de recherche? Possible, jusqu'à ce qu'une tornade s'invite. Game Chef, on entend sous le map. On a connu mieux niveau poésie. Bizarre. Vous entendez ça? On dirait qu'ils essayaient de creuser un tunnel. Attention! Qu'est-ce que c'est que ça? Bah y'a rien d'autre? Je ne sais pas ce que c'est, mais d'après le scan, ça date de plusieurs siècles. Si seulement on avait Sam. Je crois que c'est plus ancien que ce labo et son équipement. Alors peut-être que ces aliens l'ont trouvé sous terre? Un genre d'artefact? Il y a un sacré niveau d'énergie derrière cette porte. Si elle est fermée, c'est peut-être pas pour rien. Ces types ont miné là où il ne fallait pas. Ok, et du coup on peut pas l'ouvrir. Hein. Ah, c'est dommage parce que moi je suis curieux, vous voyez. Du coup j'ai vraiment envie d'y aller. Mais on peut pas. Ah, la tristesse. Des théories, exploratrice? Il y a une forme de technologie sur cette planète, ancienne, souterraine. Et ces aliens s'y intéressent. Comme des archéologues? C'est ça, des archéologues. Mais quel temps dégueulasse. Attention! Ils nous attendaient! Et merde! Ils ont un paratonnerre en état de marche! Ces trucs nous suivent ou quoi? On dirait bien. Pas question que je crève comme ça! Je crois bien qu'ils s'en foutent! C'est bon. C'était le dernier. Ne restons pas là. Il pourrait en arriver d'autres. Bon bah du coup on va se rendre par ici. Garde-point 3, quelqu'un m'entend? Cora, on vous reçoit. Vous êtes vivante? La navette est en réparation, mais on est encerclés. Et ils sont hostiles. On arrive. Coordonnées ajoutées. Cora, on vous couvre! Ils essaient de nous coincer! Ils se débrouillent bien en plus! Ryder, descendez-le! On occupe! Ça c'est fait! La cavalerie à la rescousse, ça fait plaisir de vous voir. Vous aussi, Harry. Tout le monde va bien? Toujours en un seul morceau. Vous êtes arrivé juste à temps. Où est mon père? Il est parti en reconnaissance pendant qu'on réparait la navette. Ryder, il y a des armes et des munitions à la navette. Faites le plein.
Ils ont essayé de vous parler, au moins? À peine un mot, puis ils se sont... Du coup, c'est un sniper, je pense. On y a tiré. Comment ça s'est passé avec vous? Bah écoute, ça s'est bien passé. Vaisseau ennemi en approche! À couvert, vite! Les voilà! Quand il y a un largage, c'est carrément gonflé. Ne faiblissez pas! Foudre a grillé leur navette. Tout le monde est là? Moi, oui. Toujours en vie? Ouais. Présente. Je n'arrive pas à les viser. Ils sont trop nombreux. Continuez de tirer. On va y arriver. Harry, tout va bien? On tient. Liam, assez! Ouais, c'est juste que ces connards ont tué Kirkland! Je comprends, mais ce n'est pas le moment de perdre son calme. Voilà, ça va mieux. Les autres ont survécu? Fisher est blessé, mais ça va. Greer est avec lui. La navette est en miettes. Hé! Hey! Elle est blessée! À couvert! À couvert! Tenez bon! Ah ouais? Vous êtes biotique? Vous en faites pas, ce n'est pas contagieux. Juste avant l'attaque, j'ai... j'ai réparé nos transmetteurs. Vous êtes la meilleure. Reposez-vous maintenant. Sam, tu es là? Liaison avec l'ancible établie. Affirmative, Sarah. Le pionnier veut vous parler. Content de te voir en vie. Quelle est la situation? Je suis avec Liam et Cora. On a des blessés. La bonne nouvelle, c'est que la navette est réparée. On peut rentrer sur l'arche. Pas maintenant. C'est trop risqué avec ces orages. Je préfère prendre ce risque. C'est tout aussi dangereux de se balader au sol comme des paratonnerres humains. Sauf si on peut arrêter la foudre. Je ne comprends pas. J'ai une idée. Rejoignez mes coordonnées tout de suite, on va. Bon sang, ils m'ont repéré. Chef? Chef! On peut vous laisser avec elle? Je peux la stabiliser. Pour l'instant. En route. Sam, tu as la position du pionnier? J'ajoute les coordonnées à votre carte. Ça n'a pas l'air trop loin. Dépêchons-nous. Il faut qu'on y arrive avant que l'orage éclate. On ne fait pas de détour. Qu'est-ce que mon père cherche? Il essayait d'obtenir des infos sur cette tour. Les coordonnées le placent dans la zone. Usez de prudence. L'orage commence déjà à s'intensifier. Ça fait plaisir de te retrouver, Sam. Tu veux pas nous donner de bonnes nouvelles la prochaine fois? Sam a raison, on n'a pas beaucoup de temps. Regardez, les paratonnerres! Ils attirent la foudre! Si on reste près du mur, ils devraient nous protéger. C'est ça. On peut y aller ou pas? Il y a des morts! Ce n'est pas la foudre qui a fait ça. Des munitions incendiaires. Mon père s'amuse bien. C'est un ancien N7. Il rigole pas, cela. C'est une bonne idée de planter ces paratonnerres! C'est le seul moyen de survivre ici. Ça est tiré à vue. Je
J'ai vu qu'il y avait une grotte ici. Ah mais c'est celle qu'on a vue, non? Attendez. Ah c'est ça. Ok. J'étais pas sûr et tout. On n'est pas loin. D'après les coordonnées, mon père est là-haut. Mais bah attends, deux secondes. Donc du coup, je voulais aller voir les compétences. Alors... pouvoir biotique et pouvoir tech. Ok, ok. Donc au pouvoir tech, par exemple, on a quoi? Donc ça, c'est le camouflage, hein. Ça, c'est quoi? Ok, la surcharge. Attends, elle fait quoi? Ah, nice. Ça va être cool. L'incinération. C'est pas mal aussi. Cryo laser. Ok. Donc il y a pas mal de trucs. Biotique, on a quoi? On a télékinésie. Ouais. Projection. Nova. Ok. Onde de choc. Contre-coup. Ah, nice. Incision. Alors, on va prendre... on va prendre contre-coup. Voilà, pour voir. Tac. On ferme l'achat. Ah ouais, parce qu'en fait, je veux voir en combat qu'est-ce qu'il y a. Alors, omni-grenade. Ok, moi je suis pas très grenade donc je m'en fous. Ok. Donc nous, on va s'orienter vers... ça... ah, c'est pas mal ça aussi. Ok. Donc on a deux points. On va mettre fusil de combat, tac. Et ici, on va mettre fusil de précision. Voilà. On va essayer de la jouer comme ça, un maximum. Attends, j'ai peut-être fait une connerie. Refuser. Est-ce qu'on a un fusil d'assaut? Enfin, un fusil de combat. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, nous, on la joue comme ça. Très bien. Donc, du coup, je confirme. Chef. Restez baissé. Qui c'est cela? Des visiteurs comme nous. Je ne crois pas qu'ils soient natifs de cette planète. En effet, on a trouvé un labo désert, comme s'ils étudiaient ce monde. Bien joué, c'est du beau travail d'éclaireuse. Merci, ça semblait important. C'est bien, il faut écouter son instinct. Là, mon instinct me dit qu'on est assez mal barré. Chef, vous parliez de la foudre? Le nuage d'énergie noire que l'Hyperion a touché. Il affecte toute la planète, il interfère avec... La tour est prise dans une boucle de réponse avec le nuage. Ensemble, ils perturbent le climat au moyen d'une énergie extrêmement instable. Ça expliquerait la végétation qu'on a vue dans cette grotte, à l'abri de l'orage et de cette tour. C'est une bonne piste. Et je crois que si on arrivait à y entrer et à l'éteindre, la foudre s'arrêterait. Et la navette pourrait nous sortir d'ici. En théorie, il faut juste qu'on les contourne. C'est un pari risqué, mais on ne sera pas fixé tant qu'on n'aura pas essayé. Soyons très réalistes, la route ne sera pas des plus agréables. Si Sarah en est, j'en suis. Mais le problème, c'est qu'on risque d'aggraver nos relations avec ces créatures.
C'est eux ou nous. Oh, ça sera eux. Mais ils sont bien plus nombreux. J'y travaille. Il faut juste qu'on change un peu la donne. Jusqu'à la structure. Sam, charge le profil de combat. Faire ça et tout. Donc a priori il y a une dépouille que j'ai vu qui était là. Je vais la looter. Tac. Mais dégagez. C'est chiant l'autocover en fait. Au final parce que elle se met toute seule là où elle veut. Donc c'est un peu chiant. Sur notre flanc. Pas si on continue d'avancer. Ne les laissez pas nous rattraper. Tenez le rythme. Fred, entrons là-dedans. Chef, d'où est-ce que vous sortez tous ces profils? Sam me donne un petit coup de main. Comment ça? Concentrez-vous plutôt sur le combat. L'orage est plus fort. On va rater notre chance si on ne se dépêche pas. Allez! C'est fou. Il a failli m'avoir. Rendez-lui la monnaie de sa pièce. Attention au tir croisé d'en haut. On y est presque. On dirait le centre de contrôle. Éloignez-les de moi. Vous l'avez entendu? On y est arrivé. On a un seul morceau. C'est pas encore fini. Il faut que je passe par cette porte là-bas. Vas-y, vas-y. Fais-toi plaise. T'en es où? Il faut que j'arrive à déchiffrer cette langue. En voilà d'autres. C'est quoi le plan? Ils vont nous encercler, on n'a rien de temps. Il faut qu'on défende les deux côtés, ou ils nous prendront à revers. Où est-ce qu'on doit se poster? Vous vous mettez là. Compris. Et moi je fais l'autre côté tout seul. Voilà. Attention! Je crois qu'il y a du mouvement! Voilà, démerdez-vous, moi je me sers. On les a tenus en respect à la navette, on peut y arriver cette fois aussi! Des tas de gens comptent encore sur nous! Je m'échauffe à peine! Ils plaisantent pas! Et
Éloignez-les de votre père. Analyse des entrées possibles. Décryptage à 25%. Dépêche-toi, on n'a plus le temps. Tenez bon des deux côtés. Il faut pas qu'ils passent. C'est quoi cet endroit d'abord? Aucune idée, mais ils ont l'air d'y tenir. Alors? Décryptage à 50%. La syntaxe est étrangement complexe. Je vois ça. Essaie une recherche récursive. J'ai besoin d'un instant pour évaluer la séquence. Juste un instant. Vas-y. Je crois qu'il est vraiment énervé, celui-là. Peut-être parce que je vais tirer en pleine tronche. Chef, t'as avancé. Décryptage à 75%. On y est presque. Il faut tenir encore un peu. Ils se replient. Ils se regroupent peut-être pour un nouvel assaut. Restez en alerte. Alors ici, on a quoi, là? Décryptage terminé. Ça a marché. C'est un accès au système de sécurité. Je vais essayer d'ouvrir la porte d'ici. Et merde, elle est bloquée. Je dois y jeter un œil. Tu penses vraiment qu'on peut désactiver ça? Ça m'a décodé une partie du langage. Voyons si je peux avoir une conversation. À qui est-ce que tu comptes parler? Plutôt à quoi? Je crois que c'est un robot. Allez, viens. C'est ce genre de moment qui fait l'intérêt de ce travail. Sam, commence à traduire. Un instant. Indexation. Traduction terminée. Voyons ce que ça donne. C'est ce que les gens de l'Arche attendent. L'espoir que ça va marcher. Mais c'est pas en restant là à admirer le paysage que ça arrivera. Retournons à la navette et... Transfert amorcé.
à l'arche de préparer l'infirmerie. Le pouls est trop bas, on la perd. Elle convulse. Son cerveau ne supporte pas la connexion. Amenez-la au bloc SAM. Sam, qu'est-ce que tu vois? L'implant de Ryder est en surcharge. Je suggère une connexion directe. Vas-y. Maintenant! Ravi de vous retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes cliniquement morte pendant 22 secondes. Le reste de l'équipe est en vie? Salut, vous êtes encore en vie. Venez tous au bloc SAM. Ryder est réveillé. Vous parliez avec qui? Sam. Je l'ai pas entendu. Bonjour. Regardez-la. Et là. Mon père. Où? C'était lui ou vous? Il a fait son choix. Je suis désolée, Sarah. Je sais que ça doit être un choc. Je ne peux pas croire qu'il soit plus là. Tout se passait bien et l'instant d'après, il... Je sais qu'il pouvait être distant, mais il m'avait dit que quand son heure viendrait, il voudrait s'éteindre parmi des étoiles encore inconnues. Pourquoi est-ce qu'on est dans le bloc SAM ? Sam fait partie de vous, maintenant. Mais on ne sait pas encore tout ce que ça implique. Votre cerveau en a souffert. Sam ? Votre père m'a autorisé à effectuer le transfert de son accès pionnier. Ça ne devrait pas être Cora ? En théorie. En réalité... Vous êtes la nouvelle pionnière, Sarah. Waouh. Eh bien... Si on n'a pas d'autre choix... Ne vous rabaissez pas. Vous en êtes capable. Cora? C'est ce qu'il voulait. Je ne m'interposerai pas. Mais le rôle de pionnière est très sérieux. Vous êtes vraiment prête à l'assumer? Je suis là pour ça. Pour explorer l'inconnu. Comme votre père, c'est ça? De toute façon, vos avis n'ont guère d'importance. Sam est profondément lié à votre esprit. Défaire ce lien risquerait de vous tuer. Je sais que c'est dur, mais on doit penser à ce qu'on va faire maintenant. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Notre arche dérive toujours ? Justement. La tour que votre père a activée nous a sauvé la mise. C'est un genre de filtre d'atmosphère. Le nuage d'énergie s'est dissipé. On est en route vers le point de ralliement. On sera bientôt au Nexus. Elle a besoin de se reposer. Elle a 2 heures. On aura besoin de notre pionnière. Au fait, j'ai vu votre frère. Il n'y a pas vraiment de changement, mais il a autant de chances de s'en sortir que vous. Vous tenez tous les deux de votre père. Votre père nous manquera. Qu'est-ce qui se passe, Sam ? C'est notre canal privé. Je le partageais avec lui. Je ne comprends pas. Pourquoi moi ? Je l'ignore, mais il n'agissait jamais sans raison. Alec n'aurait pas voulu que nous nous éloignions du but. Pour lui, la peine était un moteur destiné à nous rendre plus forts. Thank you.
Ryder, ravi de vous revoir sur pied. On est sur le Nexus. C'est l'éclaireur de l'initiative Andromède. Les arches Asari, Galarienne et Turienne devraient être là aussi. J'espère qu'elles ont eu plus de chance. Le voilà. Ça a l'air presque aussi grand que la citadelle. Contrôle du Nexus, ici l'Archhyperion. Permission d'amarrer. Capitaine, je ne reçois que leur canal d'approche automatique. Personne ne répond. Eh bien, qu'ils le veuillent ou non, on est là. Allons-y. Les travaux devraient déjà être terminés. Ça pourrait être pire. Vraiment ? L'Habitat 7 est un échec. On s'est battu avec les premiers aliens rencontrés, et notre pionnier est mort. Tout est en ordre. Procédure d'amarrage lancée. Ok. Je nous ai amenés ici. Bonne chance, pionnière. Ça va aller, Ryder ? Le capitaine vient de m'appeler pionnière. J'ai encore du mal à le croire. Respirez un bon coup. Je n'arrive toujours pas à croire que mon père est mort. C'est lui qui aurait dû être là. Mais en l'occurrence, vous êtes là à sa place. Vous devez simplement décider de ce que vous allez faire. On décharge ce qu'on a. Par où je commence ? Vérifiez d'abord. Je sais pas si je suis prête. On n'était pas prêt à faire de la chute libre sur l'Habitat 7 non plus. Et on a survécu. C'est vrai. Note pour plus tard, toujours garder un micropropulseur sous la main. Elle veut d'abord voir les réaffectations. Commencez par le personnel. Camarades, nous y voilà. À tout le personnel de salle, rejoignez vos postes. Faire du bien de voir des visages amicaux pour une fois. Le Nexus dispose d'une équipe de soutien. Juste ce qu'il faut pour finir la construction de la station et offrir un refuge aux Arches. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à réveiller nos passagers. Ils ont monté un bar, j'espère. Notre arrivée mérite bien une petite coupe de champagne. Vous croyez vraiment ? Après ce qu'on a traversé, une petite cuite me ferait pas de mal. Vous n'êtes pas le seul. Ouais, jusqu'ici c'est rude. On s'en remettra. On a un vrai repas et une douche qui nous attendent. Nous y voilà. Je vois pas de champagne. Où est-ce qu'ils sont tous ? Je sais pas, mais ça pue. C'est bizarre quand même. C'est comme si tout était en veille. S'ils veulent nous faire une surprise ? C'est réussi. On devrait voir ce que l'IV peut nous dire. Oui. Les plantes sont toujours en vie. Bienvenue sur le Nexus, porte d'entrée vers Andromède. Je suis Avina, intelligence virtuelle, conçue pour faciliter votre processus d'immigration. Vous pouvez nous dire où se passe le pot d'accueil ? Désolée, mon code se limite à certaines informations et simulations d'interaction. Veuillez choisir parmi les réponses préprogrammées suivantes. Quelle est la procédure d'immigration ? Nous vous demandons de vous soumettre à un bref examen médical, afin de nous assurer de votre bonne santé après un si long voyage. Ensuite, nos experts en colonisation vous aideront à trouver votre nouvelle terre d'accueil. Merci d'attendre votre tour. Des milliers de colons impatients attendent, comme vous, de commencer leur nouvelle vie andromédienne. Hein ? Où ça ? Y a personne ici. Parlez-moi de la galaxie d'Andromède. Vous vous trouvez actuellement à plus de 2 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Aucune forme de vie n'était allée aussi loin de notre système d'origine. Ce qui fait de vous une valeureuse exploratrice. Le Nexus est situé dans une région connue sous le nom de Secteur Eleus. Ici, vos milliers de camarades colons et vous-même allez réaliser vos rêves de nouveau monde. L'avenir vous attend. Qu'est-ce que c'est, le Nexus ?
Le Nexus sert de quartier général à l'initiative Andromède et ses efforts de colonisation. C'est la première destination pour tous les colons qui arrivent dans la nouvelle galaxie. N'hésitez pas à profiter de tous les services que vous offre le Nexus, futur siège du gouvernement des colons de la Voie lactée. Créer un environnement sûr, stable et prospère est notre premier objectif. On ne dirait pas. On est en quelle année ? Nous sommes en 2819. Après avoir passé plus de 600 ans en stase, il est normal de vous sentir désorienté à votre arrivée. Notre personnel médical peut vous aider à traiter tout malaise physique ou psychologique que vous pourriez ressentir. Au moins, elle ne s'est pas trompée sur la date. Mais où est tout le monde ? Où vivent les colons ? Une fois la procédure d'immigration terminée, notre personnel vous aidera à choisir la planète de vos rêves. S'agira-t-il du paradis tropical d'Habitat 7, des collines ondoyantes d'Habitat 3, ou peut-être du mystérieux crépuscule d'Habitat 5 ? Quel que soit votre choix, sachez que nos pionniers ont minutieusement examiné chaque monde pour garantir votre sécurité et votre prospérité. Rien que ça. L'Habitat 7 ? C'est là qu'on a atterri ? Elle retarde complètement. Bon, eh bien les loulous, nous on va se laisser là, donc je vous dis à la prochaine pour la suite. Bye bye!